Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est un deuxième épisode de Danse avec les stars qui a enflammé les internautes. Absent à cause de la Covid-19, Data Link People égale à 48 de dette 7010 4133 à 2 à 6 dixième 81 753 et 4 à Chris Mark a été forcé de désigner un remplaçant. Et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, c'est Data Link People égale à 7K à 036 AFD 4915 B 843 D 70 F 7 064312 B Jean-Marc Généreux qui a fait son grand retour dans le programme. Cheveux gominés, le regard pétillant et les remarques ciselées, le juge emblématique de Dalle a été acclamé sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs ont également eu droit à une grosse surprise, puisque Data Link People égale AF7 à bas 040, 91 69, 430 à AC3 6ème 2 à 1 BB 8457 Nikos Aliaga a présenté en direct Enola. La première candidate qui intègre le casting de la nouvelle saison de la Star Academy. Du côté des prestations, impossible de ne pas évoquer le magnifique contemporain de Data Link People égale à 18 087 F9 à 8 533 à 439 C à 94 à 85 FC 7 D 9 F3 Z Carla Lazari et de Pierre Mauduit. Le plus jeune binôme de l'émission a non seulement été applaudi par le public mais aussi par les quatre juges qui ont tout dégainé leur buzz d'or. Une danse qui a toutefois fait grincer des dents certains téléspectateurs. À cause d'une petite erreur concernant le choix de la chanson. Et visiblement, les étoiles étaient alignées hier soir dans Danse avec les stars, puisque Data Link People égale à 41 et B 58 à 4844 à 40 PD à 60 à 985 à 0 C 0079 3 Stéphane Logar et sa partenaire Kelly Songo Adoué ont eux aussi obtenu les 4 buzz dorés. À l'inverse de Théo Fernandez et d'Alizé Bois, qui n'ont obtenu que 19 points hier soir, les envoyant au face à face. Malheureusement, la petite sœur d'Elsa Bois et Coincoin des Tuches n'ont pas réussi à sauver leur place hier soir face à Data Link People égale à EA2 BFF 62 à 6 à 9 4e 0 à 1 AX 6 F 6 à 57e 0 à 108 Clémence Castel et Data Link People égale à EA1 B 77 F 4 à 709 C 4 à 57 95 48 04 81 FA 227 656 Candice Pascal. Quelques instants après son élimination, le jeune comédien a pris la parole sur Instagram. J'ai perdu une finale mais j'ai gagné une sacrée aventure. Plus sérieusement, je vous ferai une story à 1500 points pour vous en parler plus en détail. Mais en gros, sachez déjà que je me suis éclaté, que Alizé est génial, que toute l'équipe de Dalle est super et que j'avais des hémorroïdes. Je ne pars ni frustré ni ronchon. Merci à tous, a déclaré Théo Fernandez sur le réseau social. Une élimination à laquelle ses abonnés ont évidemment réagi, notamment l'un d'entre eux qui a indiqué le préféré au cinéma qu'à la danse. Théo Fernandez, le vilain petit canard de cette 12e saison de Danse avec les stars,